Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans une nouvelle vidéo autour des Halo FR Challenge. On rappelle le concept, Halo.fr et son équipe événementielle vous proposent chaque mois depuis le début de l'année 2022 des défis sur les différents jeux Halo. Chaque participation à un défi vaut 1 point, le gagnant du défi gagne 3 points. Ainsi, même si vous ne gagnez aucun défi, mais que vous participez tous les mois à tous les défis, vous pouvez rester prétendant au cadeau de fin d'année. Les Halo FR Challenge sont un concours s'étalant sur toute l'année et offrant au podium en fin d'année des cadeaux qui seront remis pendant le live de Noël en décembre 2022. Dans cette vidéo, nous allons montrer les participants et les gagnants au défi du mois de février et en fin de vidéo, vous aurez les nouveaux défis pour le mois de mars. Le mois de février vous proposait 4 défis. Le premier défi consistait à vous rendre dans le mode Académie de Halo Infinite et de faire le meilleur score au sidekick. Vous avez à l'écran les scores de chaque participant, bravo à tout le monde, mais la victoire revient à Hypnose avec son score de 31 570, c'est 3 points pour lui, les autres remportent 1 point. Le second défi, lui, vous demandait de réaliser le plus gros nombre de doubles frags sur n'importe quel jeu Halo. Il semblerait que nous ayons eu des chiffres vraiment impressionnants, du 8 pour FFA Seeker, du 7 pour Hypnose, mais c'est finalement Raptor qui l'emporte avec un total de 12 doubles frags, c'est vraiment énorme. De toute évidence, par rapport au screen que j'ai eu, il n'a pas joué l'objectif en crâne, c'est un coquin. C'est 3 points pour lui et 1 point pour tous les autres. Sur le troisième défi, vous deviez faire du speedrun sur la mission Cartographe Silencieux de Halo CE. C'est une mission emblématique du premier Halo, et il y a énormément de petites choses sur cette mission pour faciliter le speedrun. De toute évidence, c'est une nouvelle fois Raptor qui remporte la victoire avec un score de 3 minutes 22. Mais bravo à Seeker qui le suivait de près avec un score de 4 minutes 39. Raptor remporte un nouveau défi, ce qui lui donne 3 points supplémentaires, les autres remportent 1 point. Enfin, le défi 4 parlait un peu plus au créateur puisqu'il s'agissait de faire un mème avec une image imposée. L'équipe événementielle a voté, et c'est Hypnose qui gagne avec ce mème. L'exercice n'est pas forcément évident, mais bravo à tous les participants. Analysons maintenant le travail des scores. Le mois de février offrait 4 défis, et Raptor et Hypnose se sont partagés les victoires. Ils prennent tous les deux 8 points. Seeker, qui était largement en tête, se fait détrôner de sa position et se retrouve à égalité avec Raptor. Il va falloir s'accrocher pour le mois de mars, on est encore loin de la ligne d'arrivée de décembre et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Voyons à présent les défis pour le mois de mars. Défi 1. Sur Halo Infinite, en mode Académie, en difficulté 3, faites le plus gros score à l'Hydra. C'est une arme qui n'est pas facile à utiliser, j'attends de voir de quoi vous êtes capable. Prenez en screen votre score final et envoyez-le à halofrchallenge@gmail.com en précisant bien, dans le mail, votre GT et de quel défi il s'agit. Défi 2. Sur le Halo de votre choix, réalisez en matchmaking le plus important nombre de tirs à la tête. Prenez un screen de votre menu post-partie et envoyez-le à halofrchallenge@gmail.com en précisant bien sûr dans votre mail votre GT et de quel défi il s'agit. On compte ici bien évidemment les médailles, tirs à la tête que l'on peut réaliser avec le BR, carabine ou autre arme du genre. Ce mois de mars est un anniversaire un petit peu spécial sur Halo, puisqu'en Europe, Halo CE est sorti le 14 mars. Pour cette raison et pour fêter les 20 ans de Halo CE en Europe, je vous propose d'orienter les défis suivants sur Halo CE et de doubler les points. Un participant ne gagnera pas 1 point, mais 2 points, et un gagnant ne gagnera pas 3 points, mais 6 points sur les défis suivants. Défi 3, réaliser le plus gros score dans la mission 343 Guilty Spark. Autre mission totalement emblématique de l'univers de Halo, la première où nous rencontrons le parasite. Dans les menus, activez le score et partez à la découverte des parasites. Prenez votre screen de fin de partie en photo et envoyez-le moi à halofrchallenge@gmail.com en précisant, bien sûr, dans le mail, votre GT et de quel défi il s'agit. Bien entendu, l'important est d'envoyer un résultat. Aucune difficulté n'est imposée. Aucun crâne n'est imposé, vous pouvez jouer en facile si vous le désirez, juste pour participer. C'est à vous de régler la difficulté pour pouvoir arriver au meilleur score que vous pensez atteindre. Je le rappelle, pour fêter les 20 ans de Halo CE en Europe, 2 points seront accordés à chaque participation et 6 points seront accordés au vainqueur. Défi 4, faites un même drôle avec ces images.
il y en a deux. Vous pouvez les mélanger, les modifier, rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez même imprimer les images et faire du collage. On est fou, on dépasse les limites. L'équipe événementielle votera pour le meilleur mème, celui qui nous aura le plus amusé. Chaque participant gagnera 2 points et le gagnant gagnera 6 points. Envoyez-moi votre travail à allofrchallenge@gmail.com en précisant, bien sûr, dans le mail, votre GT et de quel défi il s'agit. Les participations se font donc en envoyant une photo ou une image de vos résultats, ce qui est chiant pour la mise en place de formulaires. Les formulaires, dans un formulaire standard, on ne peut pas envoyer une image comme ça. Pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise avec l'envoi de mail, vous pouvez directement envoyer vos scores sur Discord. À moi, HFRKino. Vous me trouverez facilement sur le Discord allo.fr. Vous avez jusqu'au 31 mars 23h59 pour envoyer vos résultats. On est cool, on est là pour s'amuser, on est là pour faire du fun. Spartan, à vos défis, je compte sur vous. On se retrouve dans un mois pour retrouver vos scores et donner les nouveaux défis. A très vite, à très bientôt. Vive Allo !